tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Manche Tes Sports diffusée en live sur Twitch et Facebook Live, émission dans laquelle nous allons accueillir un sportif célèbre qui a mangé son sport et avec qui nous allons nous fendre la poire à coups de hache. Et ce soir, nous avons l'immense honneur de recevoir un crack parmi les cracks, champion de France 1997, meilleur passeur de l'histoire du championnat de France de basket, oui, et vice-champion olympique au JO 2000. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour notre champion, Laurent Ciara. Allez, là. N'hésitez oui, pas. Il est là. N'hésitez pas. Continue. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions sur le chat de Manche Tes Sports et également sur le Facebook Live. C'est parti, c'est maintenant. Bagarre et rigolade dans Manche Tes Sports, les copains, on commence. C'est maintenant. On fait une émission un petit peu spéciale parce qu'on a Laurent qui est niçois et qui est à distance. On fait une visio avec lui aujourd'hui. Et donc Laurent, pour te présenter, pour commencer, on va juste faire le petit topo de l'équipe. Donc je vais te présenter les trois chroniqueurs qui sont avec moi. Donc il y a Adrien, il est toujours beau, il a chaud, il va sortir ses biscottos et essayer de bien parler dans le micro. C'est Adrien, les copains. Ouais, je parle bien dans le micro là, c'est bon. C'est parti. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On enchaîne. On va parler de Morgan qui est en face de lui. Il est toujours combattant au KFC de Cergy-Pontoise. Voilà. Il arrondit ses fins de mois au bois de Boulby. C'est Momo les amis. Salut les gars. On est obligé d'isoler, est-ce qu'il a pas pris sa douche aujourd'hui? C'est un rouquin. Et enfin on va passer à aussi, Thomas. Je vous aime, les copains. Il adore les sacs de frappe. Il gratte aussi bien avec le ballon qu'avec un stylo. C'est Thomas les potos, on peut l'applaudir également. Salut Booba. Booba Boubi. Salut. Et pour terminer, parce qu'il en manque une ce soir, c'est notre chère Julia qui n'est pas là. Hein. On l'embrasse très fort et on pense bien à elle. Donc pour commencer, Laurent, on va passer au sommaire de l'émission. On va revenir avec toi sur beaucoup de choses, hein, parce que beaucoup d'internautes nous ont dit qu'ils avaient des questions à te poser, donc on va revenir un petit peu avec lui. Donc si notre cher Vincenzo peut nous présenter le sommaire de l'émission, ça serait topissime mon grand. Voilà, ça devrait arriver incessamment sous peu. Bon, en tout cas, la première partie, ça va être le sportif qui a mangé son sport. Donc, dans cette partie-là, on va revenir avec toi, Laurent, sur ta carrière de joueur dans un premier temps, ta carrière d'entraîneur dans un deuxième temps. Et enfin, on va parler un petit peu plus de tes passions et ce que tu deviens désormais, Laurent. Dans la deuxième partie, donc ça va être les escrocs du sport. Donc, c'est un peu à l'inverse de toi. On va revenir sur, on peut déjà le dire, hein, c'est l'équipe espagnole handisport des JO de basket, qui a fait très très fort, puisque apparemment ils étaient plutôt en forme, hein, ils étaient pas tous en galère. Ils ont enchaîné les paniers à 3 points, apparemment. Ils ont enchaîné les paniers à 3 points. Et ça enfin, avait un avantage de taille. Ouais. Avantage de taille. La troisième partie, eh ben, c'est tout simplement, on va revenir. Est-ce que t'as suivi Adrien dans cette troisième partie? Je te pose non, la question. Je suis pas là. C'est trouve ton je score. Je suis à la place de Momo, donc je ne suis jamais là. C'est trouve ton score et on va parler du match entre le PSG et la Tige qui se dispute ce soir. Vous allez nous donner les pronostics et on va faire un petit retour sur le classement de la semaine dernière. Enfin, dans la dernière partie, c'est Toto, Thomas qui a adore la chanson et qui va la chanter, qui va présenter des sportifs, notamment en l'occurrence des basketteurs. Il va falloir trouver, il va rapper, il va chanter et on va essayer de trouver les basketteurs. Il va zooker. Donc c'est parti. Et donc, comme on dit, comme une image vaut mille mots pour peut-être ceux qui ne te connaissent pas encore, Laurent, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va présenter une vidéo qui te caractérise entre ta carrière de joueur et ta carrière d'entraîneur. C'est parti, c'est maintenant. Allez. Reed avec Adi Mensah, lâché encore. Passage en force, contre offensive de Laurent Ciara. Oui, un mauvais écran de Ciara. Mais c'est bien les coéquipiers des deux grands, Reed et Stoulet. Individuel de Villeurbanne également dans ce début de match. Reed. Stéphane qui va aller au bout et qui marque. Voilà, ça fait du bien. Oui, Laurent, le match est fait, Laurent Ciara. Oh oui. Anti-sportive celle-là. C'est troisième faute pour Jason Kidd et deux lancers francs pour Laurent Ciara. Vexé, Jason Kidd, ça fait piquer le ballon par un petit Frenchie. Derrière, il fait une vilaine faute. Ça mérite anti-sportif, c'est clair. On est un petit peu chauvin, c'est vrai, il faut bien le reconnaître, mais enfin bon, la rencontre américaine a tendance à nous agacer. C'est vrai, tout est agaçant. 17 points pour Laurent Ciara. 2 sur 2 pour Laurent Ciara, 18 points. La France est à 12 points seulement quand même. Hein. Jason Kidd. Alan Houston. Oh oui! Le temps pour Laurent Ciara! Il est énorme!
y a eu un Karen Houston, incroyable. Non, c'est pas l'entame de match qui nous plombe. Arrêtez maintenant de toujours chercher des excuses. Vous savez, quand vous avez des gentils garçons, ça reste des gentils garçons. Quand vous n'avez pas de tueur, vous n'avez pas de tueur. Dans l'émission Manche des Sports, nous sommes avec Laurent Sarra. Laurent, alors déjà bienvenue à toi, merci de participer à cette émission avec nous, on est très honorés. Si. Il est reparti. C'est bien parce que dans ma carrière j'ai dû faire peut-être 5 contres et là vous montez un contre. Voilà, donc il en manque 4, il faut trouver les 4 autres. Bah Laurent, t'as un contre en finale des JO 2000 face aux US. Ah non, ça c'était pas en finale pour ton information, Mathieu. C'était pour les phases de poule. C'est le fameux match où Fred Veil se fait enjamber par Vince Carter. Ouais. T'es ça tout mouton. En effet, c'est vrai, je t'ai dit une erreur, excuse-moi Laurent. Donc Laurent, on a pas mal de questions à te poser, donc on va commencer par la partie joueur. Donc qui veut prendre la parole, parce que les gars, on a posé des questions. Moi j'en avais une, mais je vais rebondir sur pendant qu'on y est là sur... Rebondir sur quoi? On n'a pas commencé. Rebondir justement sur, sur ta réaction quand Vince Carter il monte au-dessus de Veil, là, comme ça là. Quand c'est à côté de toi, assez choquant vu que t'es concentré Non, c'est pas choquant parce que ça va tellement vite. Ça part on a un rebond défensif, c'est Yann qui commence à partir. Il veut faire une passe dans le dos ou il veut faire un dribble dans le dos. La balle lui échappe. Et Carter, il fait 1-2. Tu te dis, il va aller prendre le contact sur Fred et il va terminer par un petit finger roll. Et puis en fin de compte, il l'enjambe complètement. Mais tu dis, putain, qu'est-ce qu'il vient de prendre? Moi, je suis à côté parce qu'après, je dois refaire la remise en jeu. Voilà. Je crois que demain, Sanzi prend un temps mort. Et dans cette salle-là, c'était une salle de 17 000 personnes et il y avait un écran géant à la gauche du banc. Donc nous, on s'assoit pour écouter ce que dit demain Sanzi. Et tu entends pratiquement 17 000 personnes qui font « Oh, parce que l'action repasse en simultané sur l'écran géant. Et le pauvre Fred, bon ben, c'est resté dans les annales. C'est embêtant. Ah, en même temps, c'est pas le plus grand, quoi. Qui, Vince Carter ou Fredo? Laurent, mais donc toi, tu te poses pas de questions à cet instant-là, parce qu'on est déjà revenu sur ce fameux match qui était quand même assez important face aux Amerlocs. Mais je voulais savoir, toi, tu te reconcentres tout de suite, vu que c'est toi qui fais la main. Tu t'es pas dit, c'est impressionnant. Mais tu sais, on a vécu des JO... Là, maintenant, 20 ans après, on se rappelle du résultat, mais on a vécu des JO très compliqués. On a vécu une préparation, on est parti plus un mois, on est resté un mois en Australie, tous ensemble. Tu sais, quand tu mets 12 lascars ensemble, au bout d'un moment, tu ne te supportes plus. Et nous, on est arrivés aux JO, on était fatigués, usés mentalement. D'accord. On joue les Ricains, en plus, la première chose qu'on nous dit, c'est « soyez pas ridicules parce que vous passez en direct ». Voilà. D'accord. C'est pas la meilleure des motivations, mais c'était le dernier match de poule. On avait de fortes chances de jouer les Serbes, et en fin de compte, dans l'autre poule, les Serbes perdent contre le Canada, et c'est pour ça qu'on joue les Canadiens en quart de finale. D'accord. Je peux rebondir par rapport à ça. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que franchement, du coup, quand vous savez qui vous pouvez rencontrer sur le match d'après, est-ce que ça compte par rapport au résultat du match présent? Par exemple, si vous perdez contre les Américains, est-ce que ça compte de rencontrer une autre équipe que le Canada ou la Serbie? C'est exactement ça. C'est que nous, il y avait peu de chances de gagner les Ricains parce que depuis de nombreuses années, cette appellation Dream Team était invaincue. Et nous, on savait qu'en perdant, il y avait 9 chances sur 10 qu'on joue les Serbes. Et les Serbes, on les a joués avant de rentrer au village olympique, le dernier match amical à Wollongong, on en a pris 40. Mais quand je te dis on en a pris 40, il n'y avait rien, le néant. Donc on s'est dit, putain, on va les jouer en quart de finale, ils vont nous démonter. Et c'est le fameux match où c'est le dernier match de poule de l'autre côté. Et Steve Nash fait un match phénoménal avec Eric Mix, qui à l'époque jouait à Besançon. D'accord. Et ils battent les Serbes. Donc ils terminent premier. Et comme on croisait premier contre quatrième, là, quand on a joué les Canadiens, je me rappelle, on avait fait une entorse un peu à notre alimentation au village olympique. On avait joué les Ricains l'après-midi. Le soir, on mangeait un McDo au village olympique. Hey, hop. Et Laurent, c'est pas ton genre, ça. Il arrivait les kinés comme des fous. Les gars, les Canadiens sont en train de battre les Serbes. On a tout laissé, la cafétéria où on était. On est parti voir la fin du match parce que nous, on savait que si on jouait les Canadiens, c'était une équipe qui, quelque part,
nous allait mieux que les Serbes. Les Serbes, ils nous avaient démontés. Oh là là, horrible. Toi, en meneur, Steve Nash, t'as fait pas peur, quoi? Ben non, parce que en plus c'est Makandoumassi qui s'est occupé, de son cas. Et on peut dire qu'il s'en est très bien occupé, parce que le pauvre Steve Nash, le Macan, il l'a complètement éteint, broyé, il lui donnait pas un centimètre. Je crois qu'il fait 9 pertes de balles sur le match. Ouais, ouais, il a souffert. En plus, ses arbitres, dès le début, ont laissé Macan lui imprégner quelque part son physique. Et le pauvre, dès qu'il avait une action entre guillemets facile, tout le monde lâchait son joueur, venait lui mettre une gaufre pour lui, voilà, pour lui faire comprendre. Dans sa face, dans ta bordel. Tête, Stevie. On va quand même dire que Steve Nash, c'est peut-être un des 10 meilleurs meneurs de tous les temps, quoi. Ah non, mais après, ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'après, il fait une carrière phénoménale. Ouais. Après, il explose. Laurent, on va revenir un petit peu, on va dire plutôt sur le début de ta carrière. Donc, t'as commencé en 89 avec Hier Toulon. Ensuite, t'as pris ta retraite en 2011 avec l'équipe de Paula Cortez. On voulait savoir, parce qu'on est tout de suite rentré dans le vif du sujet concernant les Jeux Olympiques, voilà, l'énorme performance. Mais comment t'as fait, entre guillemets, pour devenir professionnel? Parce que au final, on le sait pas tout le temps, mais toi, Laurent, t'as commencé à Hier, t'as explosé, t'avais des qualités physiques, on va dire, qui étaient plutôt bonnes, mais qu'est-ce qui a fait que t'as explosé, on va dire, et t'es devenu un incontournable, par exemple en Pro A, via le fait que t'étais meilleur passeur déjà et passeur hors pair. Qu'est-ce qui fait qu'un mec comme toi devient un énorme meneur en Pro A et dans d'autres clubs étrangers, notamment Huelva et également Panionios? Bah, tu sais, c'est te l'expliquer comme ça ce soir, ça paraît compliqué. J'ai quitté mes parents, j'avais 16 ans. Ouais. Je suis allé jouer ailleurs pendant 4 ans. J'ai eu la chance d'arriver dans. J'ai toujours eu cette chance dans ma carrière où les clubs, quand j'arrivais, là, quand je suis arrivé ailleurs, ils décidaient de faire 2-3 anciens et que des jeunes. Donc j'ai eu la chance d'apprendre. J'ai toujours été chanceux de tomber sur des anciens français référents qui m'ont appris le métier sur le terrain en dehors. À 18 ans, on est monté à Pro B. Quand je te parle de la Pro B des années 90, c'est pas la Pro B de maintenant. T'avais que deux étrangers, t'avais des Français de très haut niveau qui pouvaient rivaliser, je pense, pour jouer en Pro A. Mais j'ai été chanceux. Dans ma carrière, j'ai été chanceux. J'ai beaucoup bossé. Je suis fils unique. Mes parents, mon père m'a toujours appris que voilà, tu t'engages avec un club, même si dans la saison ça va pas ou t'es pas content avec tes dirigeants, tu fais ton boulot parce qu'il y a des gens qui payent. Tu te bats pour un maillot, tu te bats pour un écusson. Tes états d'âme, tu les laisses chez toi. Et si ça ne va pas, en fin d'année, tu chopes tes dirigeants, tu leur dis « ça ne me convient pas, je veux partir ». Et tu leur colles une tartine. Mais... Non, mais tu te bats. Tu te bats parce que tout à l'heure, tu sais, en aparté, on a discuté. Oui. Quand tu es sportif professionnel de haut niveau, parce que quand tu joues en première division ou que tu as la chance de jouer en équipe de France, pour moi, tu fais partie d'une certaine élite de haut niveau, tu ne peux pas te permettre de jouer en dessous un certain seuil. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que tu es toi, tu as ta valeur, il y a des gens qui payent pour venir te voir, il faut te donner à fond, il faut pas tricher, que ce soit avec ton club ou avec l'équipe nationale. C'est pour ça que j'ai toujours été contre, depuis certaines années, des garçons qui préfèrent aller faire des summer camp que venir jouer pour l'équipe nationale. Tu penses aux joueurs de la NBA française? Comment? Les Français de la NBA, ils... Ben, certains jeunes, je vais pas donner de nom parce que j'ai pas envie d'être désagréable. Non. Pendant des années, ça m'a agacé que des mecs privilégient leur carrière à défaut de l'équipe de France. L'équipe de France, c'est pas négociable. Ouais, mais peut-être qu'on leur laisse pas le choix. T'es sélectionné, tu y vas. Peut-être qu'on leur laisse pas le choix aussi au niveau de leur club aussi. Écoute, pendant des années, Tony, Boris, maintenant Fournier, Batum, Pietrus. C'était des joueurs entre guillemets incontournables dans la franchise. Ils sont toujours venus. Donc si tu veux, tu viens. Okay. Après, si t'es Frank Ntilikina à New York qui est contesté, c'est peut-être plus compliqué d'aller négocier avec ta franchise, quoi. Mais lui, c'est pareil. Ce garçon, il est parti. Il était dans un club qui était tout fait pour lui. Il jouait la Coupe d'Europe avec la SIG. Il va se faire chier en NBA. Il joue pas. Heureusement, l'été dernier, il a remis le nez à la fenêtre avec l'équipe de France au Mondial parce qu'il a, je pense, une belle relation avec Vincent Collet. Gros match contre sinon, fait, c'est, ça. Un,
Ou sinon, c'est un garçon qui va disparaître des radars. Parce que les mecs, ils ont besoin de jouer. Parti alors, c'est bien tôt, la thune. C'est bien la thune. Tu accumules des millions de dollars. C'est magnifique. Ouais, mais c'est ça. Mais il faut jouer. Tu fais ça pour jouer. Tu fais ça pour être acteur de ton jeu. Tu fais ça pour donner plaisir aux gens, pour donner plaisir à ta famille, pour prendre du plaisir toi. Tu n'es pas businessman à 25 ans. Tu as le temps de prendre des sous. Putain, joue. Soit à cœur de plaisir. Ton jeu. Ah, il y en a, ils saisissent tout de suite l'opportunité. Ouais, ouais. Hein. Donc toi Laurent, si t'avais le choix, on va dire, entre un gros club et la sélection nationale, tu prends la sélection nationale sans hésitation. Mais ce que je suis devenu, je le dois à l'équipe nationale. Ouais, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Mais ça fait plaisir, il faut porter les couleurs, moi je suis d'accord avec toi. Hein. Quand devant moi j'avais deux monstres que sont Antoine Rigaudeau et Moussa Sonko, oui. J'essayais pas de savoir ce que je devais faire de mieux qu'eux, je faisais surtout en sorte d'être meilleur que ce qui était derrière moi pour pas qu'ils prennent ma place. Que ce soit Fautou, Bruno Ham, Lolo Pluvie. Voilà, parce que tu fais partie de l'équipe de France, donc il faut arrêter de se lamenter. Ouais, je suis fatigué, l'été, je sais pas si je vais venir. Non mais vous rigolez ou quoi? Non mais ouais. L'équipe de France, c'est pas négociable. Et toi, t'as des gros contrats comme ça en NBA ou quoi qui se sont présentés à toi et que t'as refusé parce qu'on te demandait des concessions que tu voulais pas faire? Des gens non, de non, Rolling. Parce que déjà dans ma génération, le joueur européen n'était pas aussi bankable que ce qu'il est maintenant. Ouais, d'accord. Oui, c'est ça. Hein. La NBA a complètement changé. Ils ont ouvert leur marché mondial pour pouvoir faire croquer tout le monde. Je veux dire, là, je vais peut-être parler d'un autre débat, mais là, on essaie de mettre en rivalité LeBron James et Michael Jordan c'est dommage, c'était une de nos questions. ce que je vais vous dire, c'est que si tu mets Michael Jordan maintenant, il fait un chantier monumental. Parce qu'il n'y a pas la défense des années 80, 90, 2000. Là, c'est la rigolade de la NBA. La NBA, c'est la meilleure ligue au monde pour faire des statistiques. Tu peux y aller tranquille. Il n'y a pas un mec qui va te toucher, il n'y a pas un mec qui va te casser le nez. Ouais, impossible. Il n'y a pas de défense. Il n'y a, pas les Détroits de l'époque. Déjà, c'est pas. Ah, exactement. Détroit, Boston, New York. Et les New York de Pat Riley, il fallait venir, les cocos. Ils me font tous rigoler, là. Ils font tous des stats. C'est vrai. Et Laurent, avant de revenir sur tous ces sujets, notamment la NBA, on voulait revenir sur ce fameux match quand t'es en finale et vous revenez à 4 points. Il y avait une question qui était importante d'Adrien. Ouais, en fait, je me demandais là quand vous êtes à moins 4 points, vous dans votre tête vous dites c'est bon, on va le faire, on va les taper. Ou alors est-ce que ça se relâche? Ou ça se relâche un petit peu du coup? Ça se relâche complètement. Ouais, déjà vous trouviez ça drôle d'être arrivé à moins 4 peut-être et du coup ça s'est relâché, c'est ça? Et que cette confiance. Ce qu'il y a, c'est qu'on a été loin, on est revenu. Antoine met un panier à 8 mètres là qui nous fait revenir. Tomjanovic prend le temps mort. Et là, au temps mort, on a tous raconté la nôtre. On a juste oublié quand on est sorti du temps mort de dire attention, leur principale qualité c'est le rebond offensif. Ils vont être agressifs. Et voilà. Et puis après, on a repris un éclat. Et là, je pense que inconsciemment, parce qu'on n'en a jamais rediscuté entre nous, on s'est dit, putain, on n'est qu'à moins 4. On n'est pas ridicule. Et on est parti à moins 10. Et après, bon, après, on a lâché parce que je pense que, voilà, on les avait au bout du fusil. Et souvent, je me dis, quelle aurait été ma vie avec une médaille d'or au lieu d'une médaille d'argent. Ouais. Voilà. En plus, en finissant meilleur marqueur de la finale. Oui, non, mais ça, tu vois, c'est Adrien, ça va avec ce que je disais tout à l'heure, des statistiques. Okay. Dans un sport collectif, alors moi, je ne vais pas cracher dessus parce que j'ai fait ma carrière aussi avec ça. Ouais, bien sûr. Mais maintenant, malheureusement, on ne te parle que des statistiques. Ok. Ouais, c'est vrai. Il y a que ça qui est important. Oui, mais Laurent, au final, tu regardes quoi? Alors, si tu regardes pas les statistiques, parce que c'est ce qui fait quand même la marque Mathieu, d'un joueur. Dans un match de basket, tu joues au basket? Je joue pas au basket, moi, mais par contre, j'étais dans le basket. Non, mais on s'en fout du niveau. Est-ce que dans les statistiques, on compte le nombre de blocs qu'un intérieur peut faire Exactement. Non. On voit pas ça. Est-ce que dans les statistiques, tu vois les box out? Est-ce que dans les statistiques, tu vois les mecs, les grands qui sortent sur les écrans? Pour moi, le meilleur joueur statistique confondu avec lequel j'ai joué, c'est Jim Bilba. D'accord. Remplit toutes les cases. Donc il était mais malheureusement, complet. Ça se voit pas dans les statistiques. Okay. D'accord. Voilà. Mamou, tu voulais réagir, tu disais.
D'accord. Bon, très bien. Non, parce que je te sentais lancé. Non, mais notamment... par contre, il y a peut-être une question d'auditeur, non, quelque chose. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions concernant les auditeurs sur Twitch ou sur Facebook Live, parce qu'il y en avait. En tout cas, écoute, je veille au grain. Voilà. Mais regarde parce qu'il y en avait. Mais Laurent, j'avais juste une question. C'était toi, dans quel état d'esprit quand t'affrontes les Américains en finale? Est-ce que t'es vraiment sans pression? Est-ce que t'es galvanisé? Est-ce que tu te dis vas-y, on peut le faire? Même si je sais que c'est difficile à dire, parce que néanmoins. Bah voilà, vous avez perdu en phase de poule. Et est-ce que tu te dis véritablement dans ta tête, j'ai aucun complexe à avoir? C'était ça ma question. Aucun complexe. Ah, c'est vrai, t'avais vraiment aucun complexe, t'avais pas de. Mais non, mais surtout d'où je pars moi. Moi, j'étais le troisième meneur. Ouais. De Vincenzi, avant les JO, me fait comprendre qu'il me prend un peu contraint et forcé parce que dans l'année, ça s'était pas bien passé entre nous. Mais d'accord, c'est pas grave, donc il me prend. Et puis une compétition internationale, c'est très très long. Donc il se passe que Antoine était physiquement un peu entre deux eaux, Mousse se fait mal au genou, et on me lance. Voilà. Et comme moi je m'étais entraîné comme un bourricot tout l'été, non mais je voulais pas que de l'incendie il ait une excuse de dire « Ciara, il n'est pas en forme, il n'a pas le niveau, il ne peut pas jouer ». On a une question d'un auditeur, de Grégoire, il demande, toi tu es dans la perf. T'es dans la perf, t'es là, tu regrettes des fois le manque d'investissement de chacun, de certains. Mais est-ce que tu regrettes de pas avoir été américain à un moment? Moi, de pas avoir été américain? Ouais. De pas avoir été en NBA, quoi, non? Pas avoir été en NBA, de pas avoir eu pas du tout. Ah, été non, dans pas une du équipe tout, de mineurs vraiment qui gagne tout. Tu sais, c'est des questions de génération. Ma génération, nous, on rêvait d'aller jouer au Panathinaikos, au Kinder Bologne, au FC Barcelone, au Benetton Trévise, moi j'ai grandi avec ça. Je suis pas contre la NBA. Je dis juste que attention, ces trois lettres magiques, elles ne font pas que du bien. Elles te font du bien au porte-monnaie, elles font du bien à ton agent, elles font du bien à ta famille, elles font du bien à plein de choses. D'accord. Mais à l'intérieur, il y a un athlète. Il faut que tu puisses jouer. Quel intérêt d'aller en NBA, donner la serviette 82 matchs de la saison, récupérer les miettes derrière un meneur All-Star? Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt, hormis de gagner des sous? Mais tu te trompes. Ouais, c'est ça. Donc c'est l'aspect pécunier est intéressant, mais il n'y a pas que ça finalement à voir. Il y a aussi l'amour propre et le fait de faire une grande carrière. Non, aimer le jeu, jouer, avoir la pression, jouer. Moi, j'ai fait des choix de carrière, j'aurais pu partir dans des clubs plus importants, mais on ne me garantissait pas. D'abord, le coach qui te garantit du temps de jeu, c'est un menteur. Le temps de jeu, il se gagne. Ouais, c'est ça. Mais moi, de me dire, je vais aller m'asseoir à côté d'un meneur ricain ou international turc, italien, espagnol, et devoir donner la serviette à un mec, je ne suis même pas sûr qu'il soit meilleur que moi, et tout ça parce qu'on me file 400, 500 ou 600 000 euros. Moi, ça m'a toujours fait chier. Moi, je veux jouer. Voilà. Moi, je veux jouer. Et justement, toi, et si tu devais ressortir un de tes meilleurs matchs, ton meilleur match, est-ce que c'est cette finale? Ou est-ce que, je ne sais pas, en Euroleague ou autre? Non, mais quand tu m'as parlé de la chorale, tu m'as dit que c'était un match chorale, référence pour toi. Tu as dit c'était la chorale de Rouen, c'était très très lourd. Je pense qu'à Rouen, j'ai souvent été bon. Hein. J'ai rarement perdu, mais je pense que j'ai souvent été bon. Mais j'étais dans le public une fois, tu nous avais mis un peu la misère, je l'avais un peu mauvaise, mais bon, on t'aimait bien quand même. Mais quand c'est faible en face, ça aide aussi. Tu sais, je suis pas quelqu'un de. J'ai gardé mes maillots par exemple pour faire plaisir à mon père. D'accord. Chez moi, tu verras jamais un trophée de basket. Parce que je c'est pas mon truc, ça, je m'en fous. Là, tu vois, même maintenant, tu vois, là on discute, vous m'invitez à votre émission, c'est super sympa, mais j'ai l'impression que ma carrière, elle est arrêtée depuis 25 ans. Oui, mais ta carrière, Laurent, elle est arrêtée depuis 25 ans, mais t'as marqué les esprits. Ouais, tu restes un grand champion. T'as marqué quand même les esprits, tu vois, et ça, non, c'est la vérité. Je me suis jamais formalisé avec ça. Ça, tu t'en fous. Le côté bling-bling, le côté starisation du joueur, tu t'en fous. Je m'en fous complètement parce que déjà, non mais déjà, tu sais, c'est tout con, mais pendant 25 ans, les gens, il faut qu'ils comprennent un truc. J'insiste sur le fait qu'on est déjà, nous les athlètes, on est sportifs de niveau, on est privilégiés de la société, putain. Quand pendant 25 ans, tu ne payes pas de loyer, tu ne payes pas de voiture, tu ne payes pas d'assurance, tu ne payes pas de taxes d'habitation, on te loge, on te fait voyager,
Putain, la moindre des choses, c'est au moins de te lever le cul et de te battre pour le club pour lequel tu joues. Bon, ça fait plaisir qu'il y en a qui portent les cocos comme Laurent. Ouais. Moi, je suis content. Je crois que Laurent, il aurait pas fait grève à l'époque. Il serait descendu du bus. Il serait descendu du bus. Du coup, Brian. les mecs de 2010. Ouais, déjà, comment Domenech, il a pu lire la lettre des joueurs. Je crois qu'il le regrette. C'est une énigme. C'est une énigme pour moi. Ah non, mais ça c'est clair. Momo, t'as une question? Ouais, j'ai une question sur le basket français, parce que bon, bah t'avais l'air d'être un peu critique sur l'investissement, le degré d'investissement des joueurs. Mais toi, justement, est-ce que tu vois une possibilité d'évolution dans le basket français actuel? Est-ce que tu vois un petit levier qu'il faudrait activer? Il y a des choses à faire? Pour le basket, la Ligue nationale de basket ou pour l'équipe de France? Ah oui. Non, je parle du basket français. Alors ouais, je parle effectivement de la Ligue nationale de basket où on voit que le niveau là. En fait, déjà par rapport on prend rousse sur rousse en Euroleague quand même. Par rapport à la Ligue nationale de basket, mais plus de manière plus générale, le basket français qui a quand même un gros vivier. Et finalement, on se rend compte que les clubs ils galèrent un petit peu, notamment. Bah on voit que. Non mais les gars, il faut à un moment donné, il faut dire la vérité. On est à la place qu'on mérite dans les médias parce qu'on est un sport mineur. Tout le monde nous voit extraordinaire. Mais heureusement que depuis quelques années, l'équipe de France, la génération Parker, a mis la lumière sur notre sport. Moi, j'ai entendu la génération Sierra, mais... Non, mais c'est passé, ça, on s'en fout. Moi, je te parle de maintenant. Avant, les clubs permettaient au basket d'exister. Je pense à Pau, à Villeurbanne, à Limoges, Antibes, Paris. Ils ont existé sur les compétitions européennes. L'équipe de France a traversé le néant. Ça s'est inversé. Là, on a une locomotive qui est l'ASVEL. Alors, on aime ou on n'aime pas, ce n'est pas le débat. Mais Dijon est allé en finale de la BCL. Nanterre fait toujours des parcours. Limoges fait toujours des parcours. Je veux dire, il y a 4 ans en arrière, la SIG est en finale de l'Eurocup. Mais nous, on s'arrête à l'Eurocup, Laurent. Tu vois, c'est ça le problème. C'est la plus petite des Coupes d'Europe. Non, on s'en fout. Ouais. C'est pour savoir, tu vois. Non, mais là, maintenant, c'est la faute du virus. Avant, on n'a pas les moyens, on paie trop de charges. Avant, ouais, mais les mecs, ils sont meilleurs que nous. Ouais, mais ils ont plus de staff. Ouais, mais ils ont plus d'étrangers. Ouais, mais il faut arrêter de se plaindre, putain, les gars. On peut pas rivaliser avec CSKA Moscou, Real, Barça, tout ça. On peut pas rivaliser avec eux, quoi. Non. Et pourtant, je pense que Tony, Batum, les gens qu'il y a à l'ASVEL, ça part d'un bon sentiment, ce projet. Mais à un moment donné, tu vois l'équipe de l'ASVEL cette année, c'est une accumulation de JFL. Alors, chacun, pareil, chacun en pense ce qu'il veut. Pourquoi Momo, il me tire une grimace quand tu dis JFL? C'est joueur formé localement. mais je trouve que dans leur composition d'équipe cette année, si je peux me permettre, il n'y a pas deux ou trois joueurs au-dessus du lot que tu payes 300, 400, 500 000 euros, si tu peux, t'as pas le but. Et qui te permet et qui peuvent te permettre de gagner ces petits matchs à la con que tu as perdus. D'accord. Voilà. Et si bizarrement tu as ces joueurs là, l'équipe de je pense que Tony a fait un choix de responsabiliser les joueurs français. C'est bien, mais c'est dangereux. C'est bien, mais c'est dangereux. Et pourquoi c'est dangereux? Parce que c'est bien, tu vois, Charles Cahudi, il a des bonnes stats par exemple. Oui, mais pour moi, Charles, c'est le seul joueur JFL de cet effectif qui a encore le niveau pour jouer en Euroleague. Je mettrai Antoine Diot. Parce qu'il a du bras, il a de l'expérience. Bien sûr. Après, le grand Fall, parce que Fall, quand il est servi, il est quand même assez incontournable. Oui. Après, quand tu vois que dans le 5 majeur, c'est David Laïti qui devrait être un joueur d'appoint. Le petit Lacombe, moi j'adore Lacombe, mais tout le monde nous en fait une montagne. Oui. À Monaco, sa plus belle saison, il était à 13 évaluations générales sur la saison. Putain, si je dois me taper la seg pour 13 évaluations générales de la saison... je trouve ça faible. C'est vrai, surtout pour niveau dauphin. Je comprends pas trop leur recrutement. Alors c'est bien pour le basket français, c'est bien pour les JFL. Bien sûr. Mais malheureusement, t'es pas compétitif. Laurent, on va revenir un petit peu plus sur ta carrière encore de joueur avant de passer à la carrière d'entraîneur, puisque bon, t'as quand même déjà entraîné 3 clubs. Concernant ta carrière de joueur. Bon, on a peut-être une petite idée, mais c'était lequel, quel est ton souvenir, quel est ton club préféré plutôt qui était pour toi?
Si tu devais en désigner les meilleurs souvenirs, les meilleurs souvenirs peut-être. Dans, bah, dans peut-être des souvenirs, mais parce que ça, on va le voir avec avec Momo et les questions rookies. Ah, okay. Je veux savoir si tu veux choisir un club lequel, avec lequel t'as plus de souvenirs et de bons souvenirs. Je dirais Paris. Bah évidemment, non mais c'était pour savoir. Hein. Non mais j'ai joué, je sais pas, 8 ans, 9 ans. Ouais, voilà. Il y a eu des hauts, des bas. Et je dirais Trévis parce que oui. Parce que j'ai connu Obradovic et que même si je m'en rendais pas compte à l'époque du fou que c'était, mais du fou dans le bon sens. Il m'a fait grandir basketement parlant et humainement parlant à une vitesse de fou. D'accord. Et inversement, c'est lequel ton le club avec souvenir. Lequel t'as le moins de bons souvenirs? Villeurbanne. Oh, Villeurbanne. Ah, il y a un Adrien, une petite année, ouais, un gagne petite année, qui est un peu déçu. Et on repart quoi. Et pourquoi? Parce que je me suis pas. Parce que tu m'as dit t'adorais la ville, t'adorais. Je me suis pas trouvé. On a pictionné. Tu sais, des fois il faut pas grand chose pour que ton premier avis compte. Nous on rentre des Jeux Olympiques, donc moi j'étais à Paris, je signe à Villeurbanne pendant l'été. Ouais. On revient des JO. Le club me force à venir vite alors que je voulais prendre un petit peu de temps, mais il fallait rentrer vite parce que Benio il avait peur, il fallait qu'on s'entraîne, la saison allait commencer. Bref. Je me rappellerai toujours, premier entraînement à l'Astrobal, j'arrive, hop, je m'entraîne. Le seul qui m'a attendu sur le parking pour m'amener manger un bout à Villeurbanne, c'est Jim Bilba. Ouais. Pas un dirigeant, pas personne. Personne. Ouais. Et tu vois, ça, pour un mec comme moi, j'ai dit, j'étais avec ma compagne de l'époque, ouais. J'ai dit, ça va être une année de merde. Quand ça commence comme ça... Ça pue la merde. Ben, ça a été une année de merde. Ouais. D'accord. Moi, j'avais une question je aussi. Je parle pas du club, hein, je veux dire... L'ASVEL restera l'ASVEL. Oui, c'est une belle structure, tout se passe bien. Mais là. Mais les dirigeants, ils puent la merde, quoi. Là, cette année-là, ça a été une année très compliquée. D'accord. Adrien, une question. J'ai une question, parce que du coup, on a compris quand même l'importance que tu accordes au temps de jeu. Et du coup, il y a ta grosse période à Paris, mais à côté de ça, tu as quand même fait 10 clubs avec des petits passages d'un an ou deux ans. Et à chaque fois, justement, tu es parti parce que tu ressentais le fait que tu n'allais pas assez jouer. Non, c'est que. Parce que c'est un globe-trotteur. Non, c'est que, je te dis, comme j'ai expliqué tout à l'heure, si tu signes un contrat, l'ASVEL, j'avais signé 3 ans avec un salaire mirobolant, au bout d'un an, je leur ai dit, je m'assois sur mes 2 ans de contrat, je m'en vais. Parce que j'ai besoin, alors je vais être un peu vulgaire, j'ai besoin de bander pour les mecs pour lesquels je joue. Voilà. D'accord. Et y a la mimole te suffit pas. Il y a un entraîneur qui te fait bander. Non, je vous dis, Obradovic, pour moi, c'est... Voilà, c'était ça. C'était lui, ouais. Le mec pour lequel j'ai le plus joué, c'est Jacques Monclar. J'ai joué... Pour Jacques, je crois que pour Jacques, j'ai joué 4 ou 5 ans. Mais après, tu sais, vous pouvez appeler qui vous voulez. Moi, j'ai jamais eu de problème avec mes entraîneurs. Honnêtement, rarement, parce que je suis le meilleur soldat pour un entraîneur. À partir du moment où l'entraîneur, il veut pas se tirer la couverture à lui et penser que c'est lui qui est le chef, du moins le chef. C'est lui le savant et les joueurs, on est des cons. Voilà. Ouais, c'est d'accord. Si le mec, en fin de compte, il se prend la publicité pour lui et qu'il chie sur les mecs, là, pour moi, du jour au lendemain, j'oublie. Et Laurent, parce t'en as un à nous donner, là, ou quoi? Comment? T'en as un à nous donner, ou pas? Un peu comme ça? Non, mais j'ai pas... Je veux dire, quand j'ai vu que ça commençait à tourner, ouais. Avec certains mecs, voilà, je leur ai dit en face à face... Et en fin d'année, je suis parti. Donc Laurent, tu t'es assis sur tes 2 ans de contrat malgré le fait que t'étais carrément bien payé. Oui. Mais la liberté, la porte les cocos. Non, mais c'est beau, tu vois, parce que pas tout le monde, c'est très rare. De nos jours, on préfère rester dans le club. Non, mais je suis pas là pour faire pleurer les choses. Non, mais Lolo, chialer, Laurent. Lolo a des grosses couilles, hein, putain. Et Laurent, donc on va passer sur la deuxième partie maintenant de ta carrière dans le basket, qui est entraîneur. Donc t'as commencé. Plus courte que. Évidemment, mais elle est plus courte. Mais ne sait-on jamais, parce que là, de qualité. Ce n'est que provisoire. Donc t'as commencé à la Jeanne d'Arc de Vichy. Donc d'ailleurs on a quelques petites anecdotes à raconter grâce à Olivier Sourzac qui m'en a donné tout à l'heure une. Ouais. Fais attention parce qu'il m'en a filé sur toi aussi. Allez, donc voilà. Donc non, notamment. Fais attention. T'inquiète. Mais on va quand même. On en a parlé. Notamment. Est-ce que tu peux revenir tout d'abord sur cette fameuse visite médicale que tu as eue quand tu as commencé à être entraîneur? Apparemment, il y a eu, vestimentairement parlant, c'était surprenant. Il y avait des manques.
Non, alors, avant de, je vais pas, c'est, pas qu'il y avait des manques. C'est que depuis des années, ma mère m'a fait la guerre pendant des années. Je ne mets jamais de caleçon, ni de slip, ni de cuissard. Jamais. On a notre ça, Mais on a pourquoi, notre Laurent info. Parce que t'as le paquet qui est à l'aise. Il aime bien avoir le bazar à l'air. Non, c'est que... On te demandera pas de baisser la caméra, en tout cas, là. C'est parti comme ça. D'accord. J'ai vu un mec avec qui je jouais quand j'étais, j'avais 15 ans, qui était pour moi... Mon idole locale quand je jouais à Nice. Ok. Je vais pas donner son nom. Rocco Siffredi. Non. et Rocco Sipetti. À partir de l'entraînement en semaine, sans 4 buts, sans slip. Je lui dis putain, c'est bizarre. Donc, une fois dans l'entraînement, une fois dans la semaine d'après pareil, la semaine d'après pareil. Et c'est un mec qui était plus âgé que moi, donc qui avait joué avec mon père en première division. Et j'ai dit bon, pourquoi tu fais ça? Il me dit, je sais pas, je suis à l'aise, c'est agréable. Ok. Et j'ai essayé, ma mère m'a fait la guerre parce que elle me dit, mais tes slips, tu les mets pas au sale? J'ai dit, non, comment ça, non. Ah, ils sont tout propres. Ils sont trop petits, ça me va plus, maman, j'ai grandi. Non, et puis c'est parti comme ça. Et donc, je te raconte une anecdote. Ma deuxième année à Orléans, donc je dois avoir 37 ans, il arrive un jeune joueur qui est prêté par l'Élan Béarnais. Ouais. Par Paul Lacortez, il vient en prêt jouer en pro et je le vois. On faisait un match amical à Saint-Jean-la-Ruelle à côté d'Orléans et je le vois qu'il me regardait, il me regardait. Et je dis, mais qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Il me dit, Lolo, c'est vrai ce qu'il se dit sur toi? qu'est-ce qu'il se dit sur moi? Non, mais c'est vrai que tu joues sans suspensoire, sans cuissard. Sans suspensoire. J'ai dit ouais, c'est vrai. Voilà, donc tu vois. Mais donc, c'est ce qui t'aide à louper au calan. C'est franc en fait. Ça s'équilibrait. Exactement. En tout cas, si t'as pas la peur de la fermeture éclair, ça en dit beaucoup sur toi quand même. Mais c'est pour ça que quand j'achète un jean, je fais en priorité, j'achète avec des boutons. Avec des boutons. La fermeture éclair. C'est plus ça, bien joué, Laurent. Ça m'est jamais arrivé de me faire prendre le bout du bout. Et si ça t'arrive, d'après moi, tu dois hurler pendant un bon moment. Ah ouais. Là, ça doit tirer sur la peau, ça va pas faire du bien. Laurent, donc t'as fait la Jeanne d'Arc de Vichy, ensuite tu as fait Rouen et tu as terminé par Évreux. Donc, on voulait savoir un petit peu plus parce que bon, on a eu beaucoup de retours comme quoi tu pourrais être potentiellement un énorme entraîneur. Et on va dire que ça s'est plutôt bien passé, mais il n'y a pas eu le cap de franchi, il n'y a pas eu de montée, on va dire, avec ces trois clubs. Qu'est-ce que, à ton avis, il manque actuellement pour être, je veux dire, une compétence, parce que tu es très compétent, mais quelle compétence peut-être il te manque à l'heure actuelle pour devenir un top entraîneur? D'ailleurs, c'est ce qu'on entend d'après de nombreux témoignages, que tu seras un futur top entraîneur. Peut-être qu'il te manque rien. Hein, il faut qu'on lui donne des bons joueurs. Je veux dire aucun. Cette question, tu sais, Mathieu, je me la suis souvent posée. Je me la pose encore quand des fois ça me titille d'éventuellement. À quel niveau? Pour entraîner. Parce que le basket, ça reste quand même ma passion. Je pense que vous l'avez compris. Ah ouais, t'es passionné. Non, mais après, est-ce que la seule vraie question que je me pose, c'est est-ce que je suis fait pour ça? Tu sais, il faut pas avoir peur de se poser cette question. Et que c'est pas toujours la faute des autres. Bien sûr. Joueur, j'étais un peu comme ça. Comme je savais que parce que je pouvais faire sur le terrain, je pouvais changer les choses. Donc j'étais un obstiné, un acharné, un peu bourricot, un peu con. J'étais persuadé que j'avais raison. Donc même quitte à me mettre dans le mur, j'en étais persuadé parce que je savais que sur le terrain, je pouvais mourir sur le terrain. J'en étais sûr. Le problème quand tu entraînes et que tu entraînes pas des mecs qui te ressemblent, ouais. Tu es frustré. Et quand tu es frustré, un mec comme moi, comme je suis, comme vous l'avez remarqué, une mèche courte. T'es à 100%. Je ne sais pas, dire à quelqu'un ce qu'il aimerait entendre. Et là, t'aimerais reprendre, là, t'aimerais reprendre le métier d'entraîneur d'ici Ça me titille. Et si on Il faut qu'on vienne avec un gros projet. Genre, tu es en place et tu prends les joueurs que tout tu veux. Tout le monde me dit, Laurent, qu'est-ce que t'allais foutre en Pro B? Allez, mais niveau, il faut entraîner en Pro A, il faut entraîner en Euro. Signe à la coco, Laurent. Non, mais c'est pas... Tu sais, moi, dégage-nous, Cholet. Tout à l'heure, tu m'as posé la question. J'ai toujours passé les échelons parce que pour moi, c'est indispensable. J'ai jamais eu cette opportunité d'entraîner au niveau, si une, mais je ne l'ai pas saisi parce que d'accord, je m'étais engagé moralement avec un mec et je ne pouvais pas lui faire faux bond parce que ce n'est pas dans ma façon de faire.
Alors, après, dans ce milieu, il faut savoir naviguer, il faut être un peu politique. Il faut être il faut être un peu une petite putasse de temps en temps. Ouais. Et bah, au moins le terme est plus approprié. Chez moi, on dit être une petite salope, tu vois. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire avant. C'est le bon terme. Malheureusement, je ne sais pas être comme ça. D'accord. T'avais une idole, toi ? Je préfère me mettre en retrait. Et pourtant, à Évreux, les gens m'ont très bien traité. Oui. Que ce soit le président ou la manager, c'est de moi-même. J'ai dit, écoute, là, je sens que les joueurs sont en train de me faire la carrée parce que j'étais trop dur. D'abord, quand un entraîneur français, il est trop dur, on dit qu'il est trop dur. Quand tu es un entraîneur yougoslave ou étranger, on dit, oh, c'est magnifique, il est dur. C'est magnifique, ouais, il les fait bosser, c'est super bien. Je suis d'accord avec toi, ça. Ça aussi, ça me casse les bonbons. Ah, ouais, je suis d'accord avec toi, Laurent. Après, il faut dire que quand tu es très dur et sans slibard, ça peut faire mal. Hein. Exactement. Mais je ne savais pas qu'on était en train de faire une émission. Moi, c'est Adrien. Mais non, mais Laurent, juste pour revenir ça, en fait, entre guillemets, la caractéristique qui potentiellement pourrait être améliorée ou te manque encore un petit peu, c'est le fait de se mettre un petit peu plus au niveau des joueurs que tu entraînes ou pas du tout. Adaptation, quoi. Non, honnêtement, je te dis. Moi, je crois à un certain basket. Oui. Le basket du travail. Oui. Ouais, exactement. La passion. Enfin, mais on sent que t'es passionné. Quand j'entraînais, je discutais avec des gars. Alors, pas tous, parce que moi, écouter les autres entraîneurs, ça me fait pas rêver. Je m'en fous de savoir ce qu'ils font. Mais je leur dis, mais vous faites quoi, vous, un peu ton programme de la semaine? Ils me disent, nous, on s'entraîne une fois par jour, 1h15, 1h30. Voilà, c'est beaucoup de 5-5. Ah bon? D'accord. Bon, ben j'ai dit ok. Donc ça me conforte dans le fait que je suis pas fait pour ça. Parce que moi, les mecs, faire du 5-5 de la garderie. Oui, c'est ça. On fait des matchs amicaux, on rigole. C'est bon. Non, mais je veux dire, Mathieu, j'aime trop le basket. Ouais. Pour faire de l'alimentaire. Tu comprends? C'est que t'en as pas besoin, d'accord. Ouais, mais, d'accord. Ouais. Après, au-delà de travailler les skills et les 5-5, il y a peut-être un truc où aller chercher au niveau de l'humain, tu vois. Le mec, il est pas là et tu vas le chercher et tu vas en faire un bonhomme qui devient un. Mais ils sont rares ces gars-là parce que dès que ça va pas, dès que tu commences à être dur, dès que tu commences à lui mettre un petit peu le nez sur ses carences, sur ce qu'il devrait faire en plus, ou venir en plus, ou faire de la muscu, ou faire du renforcement, ou venir shooter les matins où c'est libre, dès que c'est dur. Ah ouais, mais il est dur. C'est vrai qu'on rentre dans le vif du sujet en fait. Tu penses que c'est la mentalité française du coup? Qui est un peu comme ça? Exactement. Non, mais t'as raison, les Laurent, parce que tu dis. Surprotégé par cette putain de loi là, où il faut qu'il y ait 5-6 joueurs français par club. Ouais. Mais c'est n'importe quoi. Et qui est gagnant de tout ça derrière? Les agents. Ils sont contents. Ils te placent des JFL, même de niveau médiocre. Ils te les font jouer en première division, parce qu'il en faut. Il en faut. Ils négocient des salaires de dingue. Et ça dérègle tout le marché. Mais Laurent, ce que je te dis, ou tu résumes bien, c'est quand tu parles, c'est vrai, des entraîneurs yougo, enfin on dit yougo, on le dit plus maintenant, mais les entraîneurs de l'Est, quoi, c'est vrai, ils les font travailler très très fort, on dit que c'est super bien, alors que c'est vrai qu'un entraîneur français, bah, comme toi par exemple, qui avait une tendance là. On a tous vu le débat il y a quelques années sur Bielsa. Oui, c'est ça. Bielsa, il les a fait s'entraîner comme des mutants. Payet, il n'a jamais été aussi affûté que quand il a joué pour lui. Maintenant, Payet, tu le vois, on dirait un petit cochon, il est gros qu'il en peut plus. Ah non, mais je suis d'accord. Il a tapé 3 Big Mac. Quand tu parles comme ça, Laurent, j'adore. Je veux dire, les mecs, ils étaient à la vie, à la mort, ils gagnaient des matchs, c'était fantastique. Maintenant, ouais, mais c'est trop dur, ouais, mais c'est ceci, ouais, mais c'est cela. Non, mais il faut arrêter. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est vous les fautifs, hein. Eh, les médias, c'est vous les fautifs. C'est vous les fautifs. À quel niveau, Laurent? C'est pas moi qui entraîne Dimitri Payet. On encense des mecs. Et ça, je te rejoins carrément, Laurent. Et après, on est étonné. Mais les mecs, à partir du moment où tu files à un mec 150, 200 000, 250 000 euros, le mec, il a plus faim. Hein. Le mec, c'est terminé. Ouais, ils ont plus un dalleux. J'ai une question d'un auditeur. Tu peux nous parler d'un moment de ta carrière où tu as dû faire la petite salope? Ça m'est jamais arrivé. Je suis sûr que ça n'est jamais arrivé à Laurent. Ah, si, c'est peut-être sur le village olympique pendant la Sydney. Après les matchs. Au village olympique à Sydney, peut-être un petit peu. Non. Que dalle. Comme Medibala, ils n'ont rien vu, rien fait. Ils n'ont rien vu, rien fait. À quel niveau? Alors, attends. Non, parce qu'il parlait des coulisses, Laurent. Il parlait des coulisses. On a ouï dire qu'il y avait du passage. J'ai vu le.
Mathieu, tu m'avais envoyé le lien avec Mehdi Bala. J'ai pas vu cette partie-là, mais je peux vous dire qu'en 2000, c'est les Jeux Olympiques où il y a eu le plus de consommation de préservatifs pendant ces Jeux Olympiques. Ça, apparemment, on a eu l'info. Apparemment, l'année 2000, vous étiez bien chaud, les copains. Vous étiez en forme. Donc, mais écoute, ça a pas dû venir jusqu'à ma chambre. Laurent, on va commencer pour avancer, parce que c'est vrai qu'il est déjà 18h47. On va passer aux questions roues, aux questions in. On va passer aux questions rookies avec Momo. 10 questions et il va falloir répondre, mon Laurent. Ok. Ah bah ouais. Toujours actif. Alors, mon cher Momo, 10 questions pour Laurent. 10 questions. D'ailleurs, d'abord, on va commencer par mettre les pieds dans le plat. NBA ou Euroleague ? Euroleague. Bim. Ça, c'est fait contre les Américains. Je crois qu'on avait un peu la réponse, hein, quand même. C'est bon, ça. Ouais, je pense que je vous avais déjà filé des NBA. C'est vrai que j'avais un gros doute, ouais. C'est au niveau tactique, hein, c'est ça ? Tu veux développer ou... Ouais, non, pas besoin de développer. Pas besoin de développer. C'est bon, on a la réponse et on te soutient. Et là, je vais te faire kiffer. Jordan ou LeBron ? Bon, ben Jordan, 1000 fois. Ah ouais, 1000 fois. Ah, 1000 fois. Mais vous vous rendez pas compte. Là, maintenant, l'autre, là, le bison déguisé en TGV, il est extraordinaire. Ah bah oui. Mais je vous le répète, si vous mettez Jordan maintenant avec cette défense catastrophique qui a un... Il est dézingue, ouais. Mais il dézingue tout le monde. Ouais, vous vous rendez pas compte. Ouais, il fait 60 points par match, notre Michael. Non, il faisait déjà ça à l'époque. Hein. Ouais. Non, mais vous vous rendez pas compte. C'est juste. D'accord. On te croit. On est trop con. LeBron, il gagne quand même avec 3 franchises. T'es un saucisson, de toute façon, t'es un saucisson, Mathieu. Ouais, apparemment, je suis un saucisson. C'est la meilleure insulte que j'ai entendue, Laurent. Tu m'as fait tellement rire. Espèce de saucisson, j'ai adoré. Momo, troisième question. Dauphin ou requin ? Un requin. Ouais. Ah là, ça c'est des gagnants, ça on les aime. Rigaudeau ou Parker ? Oh punaise. Ah là, oh, faut punaise. Répondre. Très bonne question. Bien Parker. Joué, Momo. Merci. Bah, c'est la seule qu'on t'a donnée, hein, en même temps. Parker. Ah, Parker, d'accord. Il a fait... Gros bisous, Antoine. Ouais, ils sont pris la tête 2-3 fois avec Rigaudeau, c'est pour ça, pour les JO 2000. Carrière de joueur ou carrière d'entraîneur ? Là, c'est facile. Là, c'est facile. Hein. Joueur pour le moment. Foie gras ou saucisson ? Foie gras. En fait, je voulais dire snobinard ou franchouillard. C'était ça la question. Ouais, moi, à partir du moment où je suis avec des gens, avec même si on se connaît pas, toi, nous quatre, on se connaît pas. S'il avait eu la chance d'être en plateau avec vous, je sais qu'après l'émission, j'aurais dit les gars, on va boire un coup. J'aurais payé ma tournée, on aurait pu discuter du virus, comme on aurait pu discuter d'autres choses. Tu reviens quand tu veux, on le voit le coup. Hein. Non, mais je veux dire, à partir du moment où tu es avec des gens avec qui tu te sens bien, la société nous force à devenir de plus en plus égoïste, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus rien. C'est vrai, t'as raison, Laurent. C'est devenu, tu sais, allez, il faut bosser, parce que si on ne bosse pas, il n'y a pas de retraite. Si il n'y a pas de retraite, je ne suis pas bien. Je trouve qu'on oublie un peu les choses essentielles de rendre service, de se rendre service entre nous et de profiter de ces moments qu'on a entre nous. Donc tu nous préconises l'échangisme en fait là. Comment ? Tu nous préconises l'échangisme en fait. Toi t'es vachement branché ça. Ouais. Ah, il adore ça, Il est un peu sur les dents. C'est pour ça qu'il n'y a plus Julia. Elle a pris peur. Il est con, Laurent. Tu dois avoir des petits manques toi un petit peu, non ? Ah, oh, ça fait 8 mois. Javre. Apparemment. Alors, on va revenir sur ta carrière d'entraîneur. Javre, Rouen ou Évreux ? Javre, parce que c'est. Parce que j'étais même là. Si été, même si ça a été une année très compliquée, président de Javre, il a toujours Jean-Christophe, il a été top avec moi. Le club a été top avec moi. Voilà, non, c'est. C'est bien. Ça s'est mal passé parce qu'on est descendu. Mais voilà. Et Laurent, t'avais fait l'entrée. Ils m'ont permis de commencer. Je mets une petite parenthèse parce que bon, j'étais à la Java à ce moment-là. T'avais fait une entrée fracassante quand même. Je suis obligé de raconter l'anecdote. Tu m'avais vendu du rêve quand même. Première rencontre ensemble. Bon, déjà, on se prend la tête. On est ensemble sur le terrain de foot. C'était une soirée urban soccer. Oui, et avec des partenaires. Il m'insultait tous les noms, Laurent, quand je loupais une passe. Bon, ouais, c'était la soirée gagne. Bon, bah, pour terminer la petite anecdote, je suis obligé de la raconter. À un moment, il y avait un mec qui était pas très bon en face, mais c'était quand même un partenaire. Bon, Laurent, il prend le ballon, il le biche en toute décontraction histoire de saluer tout le monde, mais par contre Laurent, il a fait, enfin j'avais remarqué que
tout le monde avait un énorme respect pour lui, que ce soit des partenaires au niveau des supporters ou des supporters, parce que tu avais cet esprit, la grinta, qui était un peu les valeurs de la Jeanne d'Arc de Vichy. Donc voilà. Oui, non, mais je te dis, je reste persuadé avec ce que je te dis. Alors après, il y en a qui apprécient le personnage Chéra, il y en a qui le détestent. Mais c'est rare parce que. Non, franchement. Je m'en fous, je vais t'expliquer pourquoi. Je joue pour un club, je suis prêt à mourir pour ce club. Ouais, mais ça fait plaisir, tu vois. Moi, j'aime bien les mecs comme ça. Hein. Franchement, ils portent les couilles. Le reste, on s'en fout. T'aimes ou t'aimes pas, je m'en fous. Et mon grand-père me disait toujours, les gens, s'ils t'insultent, s'ils te huent, s'ils crient, s'ils sifflent, c'est que quelque part, t'as un petit niveau. Donc, ouais. Ne t'inquiète pas. C'est ce qu'on avait fait à la Coco, ouais, quand t'avais joué avec Orléans, plutôt. Et t'arrêtes un peu avec ta chorale. Non, mais on avait siffloté, parce que t'avais fait un énorme match. Et c'est vrai que t'as une tendance, quand même... À bien répondre. Bah, c'est qu'on essaye de à gérer de la pression, à nous emmerder un petit peu, hein, qu'on est contre toi. Hein. Mais avec toi, on est refait. Mais tu sais, ça va avec mon caractère. Tout à l'heure, un de vous trois m'a posé la question pourquoi je restais pas plus de 2-3 ans dans les clubs. C'était la meilleure question, je trouve, de l'émission. C'est Adrien. Adrien, ouais. Je sais que j'ai besoin de conflits pour avancer. D'accord. Si je suis trop bien et que je m'installe et tu sais que je suis dans un semblant de cocon et que quelque part je me remets plus en doute, en question, moi j'ai besoin de conflits. D'accord. Mais en parlant de conflits, je vais revenir sur les adversaires que tu as affrontés lors des JO 2000. T'es plutôt Steve Nash ou Jason Kidd? J'adore Jason Kidd. T'adores Jason? Ah, j'ai toujours adoré. D'accord. Dans les deux cas, on est dans le top 10. Vous rigolez ou quoi, les gars? De quoi? Monsieur triple double, il fait que des triple doubles. Oui, c'est vrai. Il fait que les triple doubles. Ouais, c'est le mec qui a fait le plus de triple doubles en NBA et à une autre époque. C'est une machine, le gars, une machine. D'accord. Bon, à la fin de sa carrière, il a un peu déconné parce que il avait boxé sa femme une fois ou deux. Ça se fait pas. Ah ouais? Ah bah une machine. Il a dû trop forcer sur les capsules, là. Ouais, on sent que dans le physique, il avait une tendance un peu à bibiner, Jason. Surtout sur la fin. Dans la saison, ça doit carburer copieux, ouais. J'ai l'impression que dans la gourdasse, il n'y avait pas que de la flotte, hein, au moment des entraînements. Les mecs, ça doit envoyer. Hein. Wow. Ah ouais, ça se sent, hein. Ça fait un peu le mec de comptoir. Momo, est-ce que tu as une anecdote, une autre anecdote, du coup, une petite anecdote secrète à nous délivrer, là, quelque chose que tu as... Même sur Mathieu, hein, c'est possible. Ouais, ça peut être sur Mathieu. Non. Merci. Une anecdote à quel niveau? Dans le basket. De ce que tu veux. Et il y en a, apparemment, t'as pas tout donné sur Mathieu, donc tu peux y aller. Hein. Mathieu. Non, dans le monde du basket. Mais dans le basket, ouais. Laurent, est-ce que t'as quelque chose un peu insolite à nous donner? Anecdote, merde. Voilà. Les anecdotes, merci. Qui se racontent à la radio, je suis pas persuadé. T'inquiète pas, personne nous regarde. Non, j'ai pas d'anecdote. Non, mais un Laurent Sierra qui a pas d'anecdote, ça c'est un énorme mytho. Je pense qu'il a plutôt un coup de gueule, peut-être. On va parler des JO, de cette fameuse action de Vince Carter sur Fred Weiss. L'anecdote que je peux vous raconter, c'est que dans le vestiaire après, personne n'a chambré, personne n'a rien dit. Tu vois, voilà. D'accord. Parce que déjà, je te dis, on avait perdu que 10 ou 12 points. Déjà, pour nous, c'était fabuleux. Et je me rappelle quand on rentre dans le bus, lui, il était toujours le premier dans le bus à téléphoner, peut-être à sa femme ou à sa famille, j'en sais rien. Et là, il arrive rigodo, il lui tape sur la... Tu vois, il y avait l'allée du bus, Fred Weiss avait ses jambes hors du bus, hors de l'allée. Et t'as Antoine Rigodo qui arrive, qui le regarde. Or, le grand, il arrête de parler au téléphone. Il lui tape sur la jambe, l'air de dire... c'est pas grave, c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, tu vois, c'est pas là comme ça, ça paraît une anecdote bidon, mais quand t'es dans le bus et que Rigodo rentre dans le bus et qu'il lui tape comme ça sur la guibole, je sais que moi j'étais à côté de Moussonko, il nous a pris le fou rire parce que ouais, t'es obligé de rigoler dans ces cas-là, c'est vrai. Ouais. Ah ouais, non, parce que là, on n'a pas osé le chambrer parce que c'était quand même c'est un peu prématuré avant de rigoler, mais bon. Est-ce que t'as un coup de cœur ou un coup de gueule à donner ce soir? Je vais rester sur l'actualité. Vas-y. Vivement que tout se remette dans le bon sens. Ouais. Que surtout qu'on nous oblige pas à nous vacciner si on n'a pas envie. D'accord. Parce que là, avec tout ce que j'entends, je commence déjà à flipper. Qu'on fasse en priorité vraiment les personnes qui déjà le souhaiteront et ont envie. D'accord. Mais après, il faut vite sortir de ça et que on va dire les petits artisans, les petits commerces, ils puissent se sortir la tête de l'eau parce que là, ça fait plus rire personne, là, ce qui se passe. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont rester sur le carreau et ça ne fait pas rigoler. Mais
C'est ouais, au moins c'est voilà le message est passé Laurent. Laurent, on va passer à la seconde partie de l'émission, enfin la seconde partie plutôt, la deuxième rubrique, et on va accueillir donc Greg qui va évoquer ce qui s'est passé de mal dans le milieu du basket avec notamment l'équipe espagnole aux Jeux Olympiques Handisport. Je vais chercher mon charge iPad, je reviens. Et à tout de suite, c'est parti, on attaque avec les escrocs du sport avec Greg. Salut Greg. Avec vous. Bien. T'as ma feuille, Jacqueline ? Non. C'est le bordel ! Donc, alors, mon cher Greg, on va évoquer ensemble une histoire qui s'est produite aux Jeux Olympiques Handisport. Yes, alors on est à Sydney, on est en 2000, on est début octobre. C'était en 2000 donc. Exact. La même année que Laurent. C'est ça justement, on est début octobre et alors que Laurent finit d'utiliser les capotes qui étaient données à la sélection France, début les Jeux Paralympiques. Avec 107 médailles, l'Espagne réalise les meilleurs Jeux de son histoire. Ils arrivent derrière l'Australie et les Royaumes-Unis. D'accord. Seulement, gros problème, il y a un journaliste qui s'appelle Carlos Ribagorda, c'est pas forcément facile à prononcer, qui est infiltré et qui révèle que finalement très peu de joueurs dans cette équipe espagnole sont en situation de handicap. On dit en situation, attention, c'est important aujourd'hui. En situation d'handicap, d'accord. Un peu plus loin que ça, il révèle qu'il y aurait à peu près une vingtaine de participants sur les 200 totaux lors de la compétition qui ne seraient pas réellement handicapés. Vous comprenez rapidement que le problème ici, c'est que l'équipe d'Espagne va remporter la médaille d'or de basket avec une facilité d'ailleurs déconcertante. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment dire que quelqu'un est handicapé mental. Il y a eu des tests sanguins, mais pas vraiment d'analyse. Handicapé mental, à cette époque-là, c'était quelqu'un qui a un QI égal ou inférieur à 75. Autant dire que c'est assez compliqué à... C'est assez compliqué. Donc un handicap, à l'époque, c'était ça. Si t'as un QI inférieur à 75, t'es handicapé. Pour les handicapés mentaux. D'accord. Le problème, c'est que les Paralympiques, à cause de ça, vont être exclus pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il n'y aura plus rien. Et c'était tellement flagrant que le journaliste révèle qu'il menait de 20 points en demi-finale et que le coach lui-même leur a demandé de faire attention. C'est un peu comme tu joues avec un ami et que t'as 15 fois son niveau. Et tu veux jouer avec lui et tu fais exprès de perdre pour qu'il dise « Ah, pas mal, j'ai essayé de jouer ». Donc là, c'est pareil, mais on parle des JO. Greg, c'est le coach, le coach espagnol qui a demandé ça à ses joueurs. Oui, parce que le coach était au courant. D'ailleurs, beaucoup de gens étaient au courant, t'imagines, les gens étaient au courant qu'ils n'étaient pas handicapés. Ils n'avaient pas forcément d'handicap. Et le problème, notamment, c'est qu'une fois qu'ils ont gagné, il y a eu une photo et que y a plein de joueurs qui ont été reconnus sur la photo. Il y a plein de gens qui ont dit, mais moi je le connais, il est absolument. Ah, on a la photo d'ailleurs, Greg, derrière nous. La photo qui est dans la qualité qu'on a pu trouver. D'accord, donc ça, source Marca apparemment, d'après ce qu'on voit. D'accord, très bien. Vous avez notre journaliste qui est entouré à droite, donc. C'était lui l'infiltré. C'est lui, ça. Il était vraiment infiltré. Infiltré oui, infiltré et lui était infiltré. Et il a droit à sa médaille en lui plus. Lui était infiltré depuis 1904, depuis plus d'un an. Il était depuis 1999. Il a l'air d'être dans le malaise au moment de la remise des médailles. Ah bah, je dois faire le ou pas. Je veux dire qu'il y en a un qui n'est pas droit dans ses bottes. Hein, mais et, non, et du coup, il leur a fallu attendre 2012 pour que les athlètes handicapés mentaux fassent leur retour à la compétition avec la natation, la course et le ping-pong. Donc déjà, c'est une injustice incroyable parce que pendant 10 ans, ils n'ont rien pu faire. Ouais. Et beaucoup disaient, quand quelqu'un triche dans un sport, on n'interdit pas le sport pendant 10 ans. Enfin, quand Armstrong se fait choper, on n'arrête pas le Tour de France pendant 10 ans. Voilà, tout à fait. Et il aura fallu 13 ans pour que le directeur de la fédération espagnole soit condamné notamment à rembourser 150 000 euros de subventions, parce que c'est aussi ça l'enjeu dans ce type de compétition, c'est que derrière on gagne des subventions pour son pays, et que c'est un peu là-dessus qu'on peut avoir des magouilles, et là-dessus où eux ont bénéficié de ces subventions. Voilà, c'était une histoire un peu cocasse, franchement c'est pas beau. Non, c'est pas beau, mais en plus ça correspond, en plus c'est marrant, je savais pas du tout que ça correspondait à l'année où Laurent Laurent t'étais au courant, enfin j'imagine, de cette histoire. Pas du tout. Voilà. Mais ils auraient pu s'en douter. C'est vrai, d'accord. Ils auraient pu s'en douter quand même, parce qu'il y a Sergio Ramos. Hein, On a voulu faire une petite parenthèse sur le basket, mais je savais pas que c'était l'année où toi t'avais tout fracassé, notamment les Américains en finale. Donc c'était au JO 2000, et donc il a fallu quand même 12 ans pour que l'histoire soit. Sauf que c'est des joueurs valides. Putain, les instances CIO, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça paraît énorme qu'il ait fallu 12 ans pour pouvoir se rendre compte
compte que les mecs, finalement, ils n'avaient pas d'handicap. Après, on voit que le flou principal était sur la maladie en soi et le problème en soi, et que derrière, il y a eu de nombreux abus. Alors, ça fait rire quand on se souvient de tous nos parents, grands-parents qui nous disent ce qu'ils ont fait pour éviter le service, quand c'est pour piquer la médaille d'or à d'autres gens non valides, entre guillemets, mentalement et pas physiquement. D'accord. C'est sûr que ça met un petit coup de pression. Eh ben, en tout cas, un grand merci, mon Greg, pour cet exercice et cette belle histoire. On va continuer, on va passer à la troisième rubrique, Laurent. Donc, on va avoir besoin de toi en tant que pronostiqueur, puisqu'on passe à la rubrique Trouve ton score. Alors, trouve ton score. Alors, pour commencer, Laurent, on va déjà faire un petit récapitulatif sur le classement actuel entre les quatre chroniqueurs. Donc, si je dis pas de bêtises, je crois qu'actuellement, le leader, c'est un champion. Allez, c'est un, gun, là, c'est un Lyonnais, puisqu'il s'agit d'Adrien bien qui est sûr. En tête avec 4 points. Bah, bravo, les Morgane gars. Se bat très bien également, c'est également un gun, hein, il a 3 points. Julia, très très forte. Donc, c'est la ligne, c'est notre niçoise, notre canoise à nous, excusez-moi. Ouais. Mais voilà, région pas très très loin de Nice. Elle a 2 points. Et enfin, il y a Thomas. Thomas, il est un peu à la traîne, notre parigo, puisqu'il a seulement 2 points, alors que c'est censé être un spécialiste de foot. Donc là, on va évoquer... Allez, c'est facile. On va évoquer ensemble un match qui se dispute ce soir. Porte, hein. Très logiquement, nous avons choisi une rencontre. On a choisi, évidemment, le PSG face à Leipzig. Alors Laurent, on voulait déjà savoir, est-ce que toi, tu suis un petit peu le foot ? Bien sûr. Bien sûr, alors, on sait dans quel coin tu vis. Quelle est ton équipe favorite ? C'est l'OGC ? Ou c'est l'AS Monaco ? Bien sûr. Ah, c'est pas Monaco, ouais. Ah, ça pourrait être Monaco, ouais. C'est vrai, c'était pas très loin non plus. Non, Monaco. Il y a quand même eu des plus belles épopées. Pas possible. Ah, ils ont trop de résultats. Ça dépend du salaire. Quand t'es à Nice et que t'es sous les 10K, t'es pour Nice. Quand t'es au-dessus, t'es pour Monaco et t'as déjà déménagé depuis longtemps. Donc, supporter invétéré de l'OGC Nice ? Non. Je suis parce que. Mino, j'allais au stade, au vieux stade de Stade du Ré. Ouais, le là, stade du Rail. De pouvoir y aller. Bon, là, non, parce que forcément, avec les mesures, c'est compliqué, mais j'aime bien aller 3-4 fois dans l'année, voir des matchs. Je suis. Que ce soit un mec comme Vira, moi, je suis très content parce que c'est un joueur que j'apprécie. Tu vois, c'est le joueur pour moi. Il est comme toi. Excellence à son époque. C'est un tueur. Voilà, mais après, je suis en mesure que je suis le championnat anglais, je suis le championnat français, je suis le championnat. Je suis quand même pas mal calé en football. Hier soir, avec ma femme, on regardait un reportage sur Batista. Ah d'accord. Ouais, d'accord. Ah oui, on est. Batistuta. Ah, Gabriel Batistuta, notre argentin. On voit que tu t'y connais. Mais, en fait, on a pensé à Batiston, mais c'était Gabriel Batistuta. Non, là c'est Schumacher qui est. Voilà, c'est Schumacher. Il nous l'a bien mis dans l'os, en tout cas celui-là. Et donc, Laurent, donc tu nous as dit supporter de l'OGC Nice. Est-ce que tu as suivi aussi les derniers matchs de l'équipe de France ? T'es content, toi ? Sélection. Ouais, c'est pareil, tu sais ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure. On aime ou on n'aime pas Deschamps, on aime ou on n'aime pas la façon dont joue l'équipe de France. Lui, Deschamps, il s'en fout. Lui, tout ce qu'il veut, c'est faire gagner l'équipe de France. D'accord. Quand tu fais Finlande 2016, champion du monde 2018, et que tu es encore là et que tu fais partie des meilleures nations. Donc, c'est pas que de la chance. Il n'est pas là pour enfiler des perles. Le journaliste, le beau jeu, lui, c'est la gagne. Stop. C'est pas que la chatte à Dédé. Son équipe, quelque part, elle lui ressemble, mais c'est très bien. Monsieur Zaccanini. Il y a Greg qui va intervenir. J'ai une question. Est-ce que. Je sais que la médaille olympique est le Graal dans de nombreux sports, mais pas dans le football. Est-ce que. Qu'est-ce qu'on en pense de l'autre côté ? Est-ce que toi, quand je te dis que les gens se foutent, enfin pour beaucoup, de la médaille olympique, alors que c'est le Graal dans beaucoup d'autres sports, voilà. Est-ce que ça te touche ? Non. Non, parce que. Parfait. Merci, Laurent. Je peux concevoir qu'un footeux, de tout gamin, ce qu'il rêve de gagner, c'est la Coupe du Monde. Exactement. Parce que c'est adapté plus au football. Moi, si tu m'avais dit, Mino, qu'est-ce que tu préférais être, ou champion olympique ou champion du monde de basket, je t'aurais dit champion olympique parce que c'est une compétition globale. Mais toi, champion NBA, non ? Je crois que mais Moumou, Morgan, il revient que sur sa NBA, on s'en bat les steaks là ce soir. Ouais, par contre, Égérie de Jordan. Chez Beansport, il passe toutes ses soirées à aller écouter Chris Singleton, Eric Mikou. C'est trop ça. Tu vois clair dans mon jeu. C'est trop ça. Donc, alors, on va parler du match PSG-Leipzig. On va faire. Bah, on va demander. Évidemment à notre invité en premier. Toi, ce soir, Laurent, à ton avis, quel sera le score entre le PSG et Leipzig et si tu devais donner le nom d'un buteur, à qui tu penses ?
3-1 pour Paris. Ah, donc d'accord, belle victoire parisienne ce soir. Et un buteur Je vais dire 2 Mbappé. D'accord. Et Marquinhos sur un corner. Allez. Ah ouais. Bon, au moins il se mouille, ça fait plaisir. Donc on va continuer, on va faire honneur à celui qui est leader actuellement dans le classement des pronostiqueurs, c'est Adrien. Alors Adrien, ce soir, qu'est-ce que tu nous proposes? Par contre, Adrien, je crois que t'es supporter de l'OL. Il joue qui en Champions League? Parti. Bien joué Laurent. Elle est passée. Je peux rien dire. Mais bon, première fois en combien déjà? 20 ans? C'est vrai, 23 ans. 23 ans. Écoutez, pourtant t'es bien branché là-dessus. Il faut toujours une première fois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais bon, la première fois, c'est pas la meilleure. Hein, donc bon, on essaye de l'oublier quand même. Ah, ça dépend. Ça dépend avec qui. Ça lui a fait mal la première fois, là, Adrien. Ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher. Donc, donc Adrien, alors pour toi, PSG Leipzig, tu le vois comment ce match? Et si tu dois me donner le nom d'un buteur, tu penses à qui? Moi, il me semble que j'avais dit 3-2 pour PSG. Avec, par contre, j'avais donné plutôt le buteur. Côté Leipzig, Nkunku. Donc Nkunku, formé au PSG. Ouais, quand ça revient à la maison, en général, il a marqué à l'aller. Il avait marqué à l'aller. Il marquera pas à toi. On va revenir sur toi, mon Toto. Mais Nkunku pour Adrien. Toi, Momo, tu penses à qui? Moi, je pense à un 3-0 score net. Parce que PSG peut pas laisser passer une défaite comme au match aller comme ça. Ils ont absolument besoin de gagner ce soir. Sinon, ça passe pas au deuxième tour. D'accord. Ça passe pas en huitième. Et tout simplement, Kylian. Kylian va marquer. D'accord, Kylian. Et enfin, on va passer à notre parigo préféré. C'est Thomas, qui est dernier du classement actuellement, mais qui a peut-être rattrapé. Alors, tu penses à quoi? Moi, j'avais dit comme Laurent, tu vois, c'est inscrit déjà, j'avais mis 3-1. Et but de Neymar. Et ils ont intérêt à réagir un petit peu. En tant que supporter, on en a un peu marre de dans le jeu, surtout dans le jeu, voir une équipe ce que dit Laurent, du tout, pas du tout collectif, et surtout avec un vieil état d'esprit. Enfin, ça se voit sur le terrain, et ça commence à nous gonfler qu'il n'y a pas de proposition de jeu, et ça me saoule. Donc ce soir, j'espère qu'on va jouer. Avant de passer à Greg, Laurent, t'en penses quoi du PSG? Parce qu'il y a quand même beaucoup de talent sur le terrain. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de blessés aussi. Ouais. Ah bah ça c'est sûr, ils sont 8 ce soir. Non mais je veux dire, quand tu fais le choix qui a été le choix, alors je sais pas si c'est le choix des Qataris en général, si c'est le choix de Leonardo, si c'est le choix de Tourelle, quand tu fais le choix de mettre beaucoup de responsabilités sur 2 joueurs ou 3 joueurs et qu'après tu fais comprendre aux autres qu'en fin de compte ça peut aller, le jour où tu les as plus, où ils sont moins bien, où ils font des petits caprices, mais ton équipe, elle n'a pas de base, elle n'a pas de fond de jeu. Tourelle, moi, j'ai rien à en penser, parce que je me dis que ce garçon, s'il faisait pas l'affaire, il fallait même pas qu'il refasse cette saison. Ils ont re-signé Laurent Blanc en février une année, en juin, ils ont filé 20 millions d'euros. Ouais. Donc, si Tourelle, s'il lui restait une année de contrat, d'après moi, ils n'étaient pas à 10 millions d'euros près. Donc, tu t'en sépares et tu repars avec un entraîneur qui fait la maille. Je pense que c'est Allegri qui veut, ça va dépendre ce soir aussi. Ce qui lui a sauvé les fesses à Tourelle, c'est ce semblant de fin de Champions League où tout le monde les a vus beaux parce qu'ils ont été en finale de la Champions League. Mais si c'est sur des matchs aller-retour, Paris, ils explosent. Ils n'existent pas. Ils ont deux contre personne. Alors que l'autre club français, il aurait résisté, je crois. Le positif que beaucoup ont fait sur l'OL et Rudy Garcia, qui était fabuleux alors qu'ils ont fait une année de merde, Il vaut aussi pour le PSG au niveau de la Champions League. Moi, par contre, en ce moment, j'aimerais pas être à la place de Tourelle. Parce que gérer les égos, ce qui a l'air d'être fait en coulisses, et les mecs qui sont gentiment en train de te faire la carrée parce que les bisous d'il y a 2 ans, là, où ils embrassaient tout le monde, il n'y a plus de bisous. C'est vrai. Neymar et Kylian, ils négocient leur contrat déjà. On va passer à Greg. Alors Greg, toi, tu penses à quoi pour ce soir? Quel sera le résultat? Est-ce que tu penses que le PSG va gagner? Attends 2 secondes, parce que là, Greg, il vient de voir que Jean-Jacques Vigneault a marqué en commentaire « Salut le stagiaire ». Donc on part sur un pronostic vital engagé pour moi. Donc Jean-Jacques, on n'hésitez pas à envoyer un message. Salut le stagiaire. Et à me trouver un autre surnom, s'il vous plaît, merci. Sinon, je dirais 2-3-0 pour Paris. Parce qu'il sort 2 ou 3? Il est 3. D'accord. Il sort d'une grosse contre-perf à Monaco. Également à Leipzig et les matchs d'avant contre Manchester. S'ils veulent se réveiller, ce sera ce soir. Ouais. Et j'ai envie de croire qu'ils ont les qualités, les capacités pour battre un Leipzig qui n'est pas forcément aussi impressionnant que les autres années, même si ça reste une très bonne équipe. D'accord. Et un buteur, mon Greg? Un buteur, Keane.
D'accord, on va partir sur Keane, d'accord. Icardi blessé d'ailleurs. Donc, si vous faites vos pronos ce soir, ne l'oubliez pas. Les gars, on va regarder ça. Merci pour l'information, Greg. On va regarder ça et on verra le classement à la semaine prochaine. En attendant, on fait le récapitulatif. Adrien, c'est 3-2, but de Nkoukou. Morgan, c'est 3-0 avec un but de Kylian Mbappé, forcément. Thomas, 3-1 avec un but de Neymar. Julia, on ne l'oublie pas. Elle nous a donné son pronostic tout à l'heure. Elle est plutôt. Elle se débrouille bien avec un but de Olmo, l'attaquant du Leipzig. Et c'est 2-1. Donc on va passer à la dernière partie. Là on va passer à la chansonnette, Laurent, pour information, puisqu'il va falloir trouver le nom de sportif, en l'occurrence de basketteur, ce soir pour toi avec le Toto Quiz. Personne va dormir. Alors les équipes, Laurent, juste pour te faire le petit débrief, il y a Thomas. C'est un chanteur, on va dire, en devenir. Non, pas du tout. Il est en devenir. C'est notre petit Vianney à nous. C'est notre Vianney Booba, ce que tu veux. Voilà. N'importe quoi. Et donc, il va falloir trouver le basketteur, en l'occurrence. Le basketteur qui va nous présenter. Donc, il y a des personnages en chanson. Donc, les équipes sont les suivantes. Laurent, tu préfères te mettre avec Adrien, Greg. Tout sauf Adrien. Ah bah voilà, bah moi c'est vite réglé. Donc tu choisis le stagiaire du coup. Donc. Non, pas le stagiaire, je trouve pas mal moi sa rubrique. Ah voilà, il gère. Ah, voilà. Et bah ça sera Greg avec Laurent et Momo avec Adrien, comme chaque semaine d'ailleurs, parce que Momo et Adrien sont ensemble. Donc on va demander à Vince Montréal. Jamais. Moi je suis avec l'invité. Lancer le premier son, faut bien écouter, et de trouver le nom du basketteur. Mettre un peu plus fort. Plus fort le sound, mon Vince. Merci. Hey, je commence à 7 ans à Charenton-le-Pont, puis je poursuis ma formation. J'ai pas entendu. Evan Fournier. Oh, vas-y, c'est putain, bien joué. Oh, Laurent, l'assassin. Ça fait 1-0. Evan Fournier. Ouais, Charenton-le-Pont, Evan Fournier. Bah, ça fait 1-0 pour la team Laurent et Greg. Bravo. Bah, Adrien et Momo, va falloir se réveiller, les copains. Ouais, bah, il était rapide là quand même. C'est le premier en deux en plus, on a dit. Hein. Donc là, on va passer au deuxième son. Laurent, il est à distance, donc potentiellement, il écoute pas forcément bien, mais Charenton-le-Pont, il nous a fait tout de suite le rapprochement avec Evan Fournier. Direct. Deuxième son, mon Vince. J'entends pas. Un peu plus fort, Vince. Merci. Ok, donc toujours un basketteur. C'est parti. Oui. Ouais. Je suis un ancien joueur de basket argentin pouvant évoluer. Ginobili. Oh, oh là 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 là. Et l'égalisation de Momo. Bon, bah, je vais faire qu'une phrase. Je vais faire qu'une phrase. Un partout. Attention, celle-là. Attention, celle-là, parce qu'elle est facile. Laurent, elle est très, très facile. C'est pour la victoire, donc il va falloir trouver elle le dernier. Elle est encore plus joueur. Facile que les autres. Laurent, on est compte parti. Sur toi. Hein. Enfin, je compte sur toi. Bah, Greg, mouche-toi un peu aussi. Bon, bah, je ferai qu'une phrase après le bosser. J'entends pas. Ça repart. Ok. Évoluant au poste de pivot, passant par Limoges et Bilbao. J'ai également été drafté. Ouais, bien joué. Et c'est la victoire, Laurent Ciara, Greg qui l'emporte. 1-2-1, bravo. Laurent, redoutable. Greg, t'as été très bon. Je te félicite. J'ai essayé de caler 2-3. Non, mais Charenton-le-Pont, par contre, bah, Laurent, au top. Hein. Et bah, en tout cas, un petit caddie avec Moscato quand Dimeco il trouve toutes les réponses et que les autres, tout rien. Bravo. Et bah, t'as tout trouvé, voilà. Laurent, j'ai l'impression c'est que c'est un assassin et que c'est très compliqué de jouer avec toi qu'on mentionne le joueur de basket. En tout cas, Laurent, un immense merci pour merci. Ce soir. Merci Laurent. Ouais, merci beaucoup. C'est Laurent. Vraiment un mec en or. Ouais, on adore ta mentalité en plus. Franchement, j'espère qu'on va vite te revoir dans le milieu du basket, ce qui serait très important. Un grand merci à Greg, Momo, Thomas, Adrien et tous ceux qui nous ont suivis en live sur Twitch et sur Facebook Live. Petite dédicace quand même à Aurélien Bouteloup qui faisait partie du service administratif de la JAV et qui m'a donné ton contact. Donc je lui fais des gros bisous et on se retrouve dès la semaine prochaine dans Manchester Sport. Salut. Merci tous, gros bisous à tous. Salut à Julia, bisous à Julia quand même. Ouais, bisous Juju. Merci Laurent.